Bonjour. Alors, j'avais pas prévu que ça dure aussi longtemps. Mais je vous promets que je fais tout ce que je peux pour vous accompagner jusqu'au bout. Aujourd'hui, je vous emmène en Écosse. Une calèche roule à travers la lande. Partout alentour, des prairies. Et çà et là, un troupeau de moutons. Une calèche roule. Dans la calèche, un jeune homme et une jeune femme. Ils arrivent devant un grand manoir. Le jeune homme descend, fait le tour de la calèche. Il est grand, large d'épaules, vêtu d'une redingote de couleur prune, de pantalon beige et d'une chemise à jabot. Il ouvre la porte de la calèche à la jeune fille. Elle est plutôt petite, mince. Elle a de longs cheveux roux. Sur ses cheveux, une couronne de jasmin. Elle est vêtue d'une longue robe de dentelle blanche. Le jeune homme lui donne la main. Elle le regarde, elle sourit. Ah, oh, mon chéri, comme je vais être heureuse ici. Ah, attends. Attends d'avoir vu l'intérieur du manoir. Et ils l'entraînent en courant. Ils entrent et traversent des pièces meublées avec soin et élégance. Des meubles cirés, des tapis moelleux, de grands miroirs vénitiens, des tentures de brocart. Oh, comme tout cela est beau! Le jeune homme l'entraîne sur la terrasse. Le soleil se couche. Devant eux, des prairies. Regarde, tu vois tout ce que tu peux voir jusqu'à l'horizon là-bas. Désormais, c'est à toi. Et tu vois là le troupeau de moutons devant la bergerie. Eh bien, c'est le tien à présent. En tant que nouvelle dame de Campbell, c'est à toi que revient l'honneur de filer leur laine. Mais je ne sais pas filer, je n'ai jamais appris. Oh, ne t'inquiète donc pas, ce n'est pas si difficile, tu verras. Le lendemain, la jeune fille se fait apporter le matériel. Allons, Mary. Montrez-moi comment il faut s'y prendre. Et sous les doigts de la jeune servante, le fil se tord et s'enroule avec facilité. Mais quand la jeune fille s'empare du matériel, le fil fait des boulots, s'en mêle, se casse. Le soir, au dîner, elle arrive la tête basse. Eh bien, que se passe-t-il, Maude? Mon chéri, j'ai essayé, tu sais, toute la journée, mais je n'y arrive pas. Ah, mais ne t'inquiète donc pas. Laisse-toi un peu de temps, ça viendra. Ce n'est pas bien sorcier. Seulement, le lendemain et les jours suivants, ça ne s'arrange pas vraiment. Elle n'obtient toujours que des boulots et du fil cassé. Le soir, son époux l'interroge. Alors, es-tu enfin parvenue à quelque chose ce soir? Non, toujours rien. Ah, mais ce n'est pas possible! Allons, la plus bête de nos bergères y arrive très bien. Le jeune homme se lève, jette sa serviette sur la table et sort. Après quelques jours d'une ambiance glaciale, au souper, le jeune homme annonce qu'il s'en va à Londres pour ses affaires et qu'il y restera plusieurs jours. À mon retour, je compte bien que vous soyez enfin parvenu à filer. Après son départ, la jeune fille se remet au travail.
Après toute une journée d'essais infructueux, elle abandonne. Elle a les yeux rouges, le dos cassé. Elle sort se promener dans la lande. Elle marche. Elle s'assied sur une grande pierre plate. La tête dans les mains, elle éclate en sanglots. À travers ses sanglots, elle entend de la musique. Et la musique semble venir de là, sous la pierre. Elle se lève, regarde, et la pierre se soulève et laisse apparaître une grotte. Et dans le fond de la grotte, il y a 6 petites dames, toutes vêtues de robes vertes, occupées à filer sur de tout petits rouets. « Ah ! Demoiselle, venez donc ! Venez près de nous, venez nous voir. Oui, oui, allez, descendez, voilà, asseyez-vous. Oh, mais tu as vu, Marge? Oh, comme elle a les yeux rouges. Oh, mais oui, mais vous pleurez, jeune fille. Oh, mais allons, on ne pleure pas quand on est jeune et jolie comme vous. Que se passe-t-il, mignonne? Oui, racontez-nous. » Et Maude raconte ses misères. Ah, c'est pour ça. Oh, ben ne vous inquiétez plus. Écoute, à partir d'aujourd'hui, vous ne vous occupez plus de cette histoire de filage. Non, non, non. Vous allez vous occuper de vous. Oui, il faut retrouver votre joli teint et votre sourire. Nous nous occupons de tout, mais n'oubliez pas, il faut nous inviter au dîner le jour où votre mari rentrera. D'accord ? À partir de ce jour-là, ou plutôt du lendemain, Maude reprend la vie qu'elle a toujours vécue. Elle brode, elle fait de la musique, elle se promène dans la lande et elle retrouve son joli teint et son sourire. Enfin, le retour de son mari est annoncé. Elle court inviter les 6 petites dames. Le soir, les 6 petites dames arrivent les premières. Maude les installe à la salle à manger. Son mari arrive, tout le monde se met à table et la conversation va bon train. Le mari raconte sa vie à Londres. Les 6 petites dames posent des questions. Mais le mari les regarde avec curiosité. Et finalement, il n'y tient plus. « Dites-moi, mesdames, vous êtes absolument charmantes et votre conversation me ravit. Mais excusez-moi si je suis un peu indiscret. » D'où vient que vous ayez ainsi toutes les 6 la bouche tordue ? Ah, ça ! Ah oui, bah ça, voyez-vous, monsieur, c'est parce que nous filons. Oui, 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 nous filons. Tout le jour, nous filons, et pour que le fil se torde correctement, nous mettons, voyez-vous, le fil dans notre bouche. Comme ça, oui, 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 comme ça, voyez. Le jeune homme regarde les 6 petites dames, regarde le joli visage de son épouse. Le soir même, il fait brûler toutes les quenouilles, tous les rouets du domaine et interdit formellement à son épouse de plus jamais se remettre à cet exercice. À partir de ce moment, ils vécurent heureux le reste de leurs jours. À demain.